Le Rav, il a dit dans un sirton, dans une vidéo qu'il a fait, il a dit que les tzadikim nistarim, et ils ont dit les tzadikim cachés. Alors il n'a pas précisé quel genre de tzadikim. Il lui avait dit de dire aux juifs en dehors d'Israël de monter. C'est une vidéo que le Rav a fait récemment, donc c'est l'occasion pour que le Rav d'avoir peut-être des précisions. Azaya sirton, l'omizman, chez Mamash l'omizman, chez Rav, Amar, Beferouche, tzadikim nistarim, Amrou, la Rav, chez Uyagid, la Nashim, chez Mchouts, la Aretz. Lavo, Ils as il sont... m'a la tête comme un pratim, comme un alzé, l'information azote. Tu as pas ma chaîne on met de leur chambre chambre alba benou comme Abraham nous on Ce que je dis là maintenant, c'est pas comme si. Espérons qu'on soit comme. Qu'on, ça aurait été bien qu'on soit comme Abraham de partir du premier. On n'en est pas dans cette situation, nous. casé mona comme Abraham D'avoir benou une émouna une fois comme ça, d'Abraham Avinu, de partir d'un coup. Oula, chère Charlotte. C'est sûr que celui qui va avoir une émouna comme Avraham Avinu, il posera pas de questions. Ouais, combien? Allez, laisse-le avec moi, parce qu'il y a la machine. Il va se lever, il va partir comme mon père de mémoire bénie. Mais Albé, vous dites, comme moi, parce que dit, Et il y a beaucoup de juifs qui se sont levés comme mon père, Chassou, ma chère, allô, mais bon, Hachem. qui n'ont pas posé de questions et qui sont montés, Baruch HaShem. Non, chère, parce que Paul a eu le hanou, tu vas être la mode, bébé, ta rochette. C'est vrai que mon père, ici, il n'avait pas de boutique, il a dû travailler à l'usine. Bon, ça va, Marotte. Mais il était très heureux. Ça va. Voilà, Charles. Mais vraiment, Hachem, il t'a dit, c'est bon, Hachem, c'est bon, Hachem. Et Bémet Hachem, il nous a sauvés que. La majorité des gens, ils n'ont pas cette foi-là comme Avraham Avinu. Qui, mais, que vous commenciez, que chacun commence à avoir la émouna et commence à prier sur ce sujet. Bien sûr, d'autres voyages. Il me choue d'art, il est là, il est top, t'as tout Et que comme chacun il fasse maintenant ses démarches avec Yishuv Dat, avec réflexion, avec organisation. Je peux pas vous dire maintenant, je peux pas vous dire de faire comme Avraham Avinu, de aller monter. Aval Michel Ken yachol lachot kacha, Rav Matia lo sotach zeh. כולם צריכים לנסות יום-יום להתפלל, מה שמזכה אותנו לעלות לעשר. יום-יום להתפלל, זה Mais en הרבה. vérité, chacun il doit demander dans ses prières jour après jour à Hachem, mon Dieu, donne-moi le mérite de monter en terre d'Israël, jour jour. Au moins 15 minutes par jour de faire une prière sur ça. Donne-nous le mérite de vivre en terre d'Israël. Tout le monde parle de la Géoula, du Machiav. Alors quand est-ce que vous voulez monter? Tout celui qui monte en terre d'Israël, il rapproche la délivrance finale, il rapproche la venue du Mashiach. Az Mishi Mishiach, Arav Mishiach, מי שיש לו התבודדות כל יום יש לו פגישה עם המלך. Je demande au Rav si quelqu'un maintenant il se sent de tout lâcher, de dire allez moi j'y vais quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Est-ce que le Rav lui conseille? Le Rav a dit celui qui a tous les jours Idbo des doutes, qui a son rendez-vous avec Hachem, avec le roi. אני לא צריך להגיד לו שהוא ודאי שהוא לא מפחד, כי יש לו את השם, J'ai pas besoin de lui dire, celui qui est comme ça, j'ai pas besoin de lui dire, il dit le Rav, de pas avoir peur, parce que, évidemment, qu'il aura pas peur, parce qu'il est Hachem avec lui. Parce que tous les jours, il a ce rendez-vous avec le roi du monde. Au moins 1 heure par jour, minimum, 60 minutes. Et quelqu'un, dans cette heure-là, il va raconter à Hachem, merci mon Dieu qu'on a fait l'Alia, aide-nous ici, dans tel domaine, dans cette difficulté. Je vous garantis, le Rav dit, je vous garantis qu'Hachem se trouve en terre d'Israël, beaucoup plus qu'en dehors des rêves d'Israël. Et que les prières qui sont faites en terre d'Israël, elles sont reçues beaucoup plus rapidement que celles qui sont faites en dehors d'Israël. Et celui qui a son rendez-vous quotidien avec Hachem, il va me poser aucune question. Il aura peur de rien. Parce qu'il a Hachem à ses côtés. Et celui qui a Hachem. Et celui qui n'a pas Hachem à ses côtés, de toutes les façons, peu importe où il se trouve, celui qui n'a pas Hachem avec lui, le pauvre. Même si il a de l'argent, il a ce que vous voulez, mais il n'a pas Hachem avec lui, le pauvre. Alors s'il est avec Hachem, il manque rien du tout. Et on a peur de rien. On s'inquiète de rien. Mais Michel, je suis un chien, parce que c'est ça.
לכן תתחזקו לעשות כל יום שעה התבודדות. Alors renforcez-vous tous les jours pour faire votre heure d'Hitbodedut. ילמדו את הספרים על ההתבודדות. D'étudier les livres pour faire Hitbodedut, notamment à travers Champs et Forêts, Bisdeyar. בגן האמונה. Le jardin de la foi, בגן החוכמה. כל הספרים של האמונה. Tous les livres de Emouna. ילמדו את הספר על ההתבודדות. Bisdeyar, et de lire le livre sur l'Hitbodedut. בזדהר. זה הספר הכי שאני הכי, הכי עשה לי, בזדהר הכי, הכי. תספר להם. Moi, דווקא le livre à travers Champs et Forêts, בואו חשם, ז'אן אל הפועה, עם הגן האמונה, זה היה, אבל מה שממש נתן לי את כל ה... נתן לי... celui qui m'a, le livre qui m'a personnellement le plus retourné des livres du Rav Arouche, jusqu'à aujourd'hui, tous ces livres, ils sont extraordinaires, mais vraiment celui qui m'a le plus, c'est à travers Champs et Forêts. Où il apprend vraiment à faire Hitbodedut, j'ai senti vraiment une liberté, מרגישים שחרור, ש... הכל אפשר, הכל... On voit le monde vraiment d'un œil différent, tout est possible. Il n'y a plus de mikbal, il n'y a plus de Même quelqu'un maintenant qui se trouve en dehors d'Israël, il va devoir se marier, il n'a pas peur de se marier, comment il va faire? Quelqu'un qui a Hitbodedut, il a peur de rien, il s'inquiète de rien, il s'angoisse de rien. Celui qui a tous les jours son heure d'Hitbodedut, allez, qui monte en Israël, on pose pas de questions.